Hey, salut à tous amis, c'est Inferno, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la H3ZK et aussi sur ma chaîne. Mais alors que la vidéo commence, les amis, j'aimerais surtout remercier CodeQG s'il nous upload, ça nous ferait vraiment super plaisir. Et aujourd'hui, on se retrouve pour présenter un tout nouveau gameplay. Un gameplay qui est de la part de Zylo au sniper, c'est une nucléaire sur Combine. Donc, une nucléaire instant swap, donc il changeait de sniper. Il avait le Locus et le SVG 100. Donc n'hésitez pas surtout les amis à aller féliciter le player pour ce magnifique gameplay. Sa chaîne sera bien sûr dans la description. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une liste d'armes, des armes de Infinite Warfare, que ce soit fusil d'assaut, shotgun, sniper et bien d'autres. Donc sans plus attendre, on va directement commencer avec les fusils d'assaut. On est parti donc avec la première arme les amis, le NV4, le R34, le KBAR-32, la Type 2 et la Volk. Donc voilà pour ce qui est de la liste des fusils d'assaut les amis. Pour l'instant on ne sait vraiment rien au niveau de ces fusils d'assaut, en espérant que ce ne soit pas des armes à rafale. Et on verra bien sûr lors de la bêta de Infinite Warfare. On passe directement les amis au shotgun parce que c'est le plus court. Pour l'instant il n'y a que deux. Donc on a le DCM-8 et le Banshee. Donc oui les amis, vous avez pu entendre le Banshee, une arme de Black Ops 3, est de retour sur Infinite Warfare. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du fake? On saura bien sûr ça lors de la bêta. On passe directement les amis aux mitrailleuses légères, donc avec la Mauler, la RAW et la Titan. Donc voilà, au niveau des mitrailleuses légères, il n'y en a que 3 et c'est déjà vraiment pas mal. On verra bien sûr lors de la bêta qu'est-ce que ça donne. On passe directement les amis à la classe préférée que tout le monde adore, c'est les snipers. Donc on va commencer, il y a 3 snipers avec le DMRM, le KBS Longbow et le BR 800. On peut voir que dans cette liste amis, il n'y a pas d'intervention qui apparaît. Est-ce que ça soit le EBR 800, le KBS Longbow ou le DMRM qui a fait que l'intervention a changé de nom? On verra ça bien sûr comme j'ai pu le dire lors de la bêta, en espérant qu'ils ont quand même gardé le nom initial de intervention ou qu'ils trouvent vraiment un nom un peu plus stylé. On verra bien sûr ça lors de la bêta. On passe directement les amis aux mitraillettes. Donc avec la ERAD, la Mode 2, la FGR 40, la Karma 45, la HUR et la Reaper. Donc pour ma part les amis, qu'est-ce que j'en pense de ces armes? Quelques armes comme la FG40 qui ressemblerait peut-être à la MP40 avec un tout nouveau nom. Ce serait vraiment super plaisir qu'ils nous la ressortent. Avec aussi la Karma 45 qui est pour ma part la CUDA je pense. On verra si c'est une variante de la CUDA ou pas, et le Reaper qui est de base un spécialiste sur Black Ops 3, en espérant que ces armes là seront super. Je voudrais aussi parler aussi des amis d'un tout nouveau killstreak ou un score streak qui est le Thor. Donc c'est Call of Duty qui l'ont mis sur Twitter. Je vous mettrai bien sûr un screen à l'écran pour que vous voyez bien que c'est pas du fake, et ça fait vraiment plaisir. Il paraît que c'est un killstreak qui ressemble énormément à l'hélicoptère de Black Ops 1. On verra ça bien sûr par la suite. On finit directement les amis avec quelques dernières armes qui sont des armes de corps à corps, avec la hache, la batte de baseball et bien sûr le couteau. Donc oui les amis, il y aura la hache et la fameuse batte de baseball sur Infinite Warfare. En tout cas ça fait vraiment super plaisir. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour cette vidéo on va tenter un défi de like, on va tenter les 15 likes sur ma chaîne et les 21 likes sur la chaîne de la H3ZK. En tout cas, c'était Inferno, c'est tout de ma part. Peace.